test, il est très simple. On a été pris pratiquement de court par le déferlement d'une vague d'innovation. On a eu une vague de creux et brutalement l'innovation s'est débloquée, qu'elle soit technologique ou dans le médicament. Et en fait, cette vague est une vraie vague de fond qui n'est pas prête de s'arrêter. Donc on avait deux préceptes pour commencer ce rapport. Pouvoir anticiper les innovations et pouvoir permettre aux patients d'y accéder le mieux possible. Donc anticiper, c'était vraiment le but du rapport, donner une image prospective, ce qui n'était pas de la futurologie, mais pouvoir permettre aux personnes qui le disent de se projeter dans l'avenir. Et ensuite, à partir de ça, pouvoir travailler avec nos autres partenaires, parce qu'évidemment, le médicament n'est jamais seul, et donc on a besoin de travailler avec d'autres personnes, que ce soit les autorités de santé, que ce soit les patients, que ce soit les médecins, enfin tous ceux qui sont autour du médicament, pour pouvoir permettre aux personnes qui sont malades d'avoir accès à cette vague d'innovation et à ces nouveaux médicaments qui arrivent. Alors là, c'est une mission presque impossible pour un rapport qui effectivement se structure en quatre grandes parties. Je pense que c'est important de le positionner. La première partie, elle concerne la transition épidémiologique liée notamment au vieillissement de la population, au développement des pathologies chroniques, mais aussi aux transformations des comportements et des attentes des citoyens et des patients qui vont vers plus d'attentes de qualité, de prise en charge, dans la globalité effectivement de leur personne, et qui détermine une sorte de toile de fond effectivement importante pour les prochaines années du secteur auquel vont s'appliquer les innovations. Et je rappelle aussi que malgré de nombreux efforts en matière de santé publique, les inégalités en matière de santé en France ne se sont pas réduites depuis 15 ans, elles sont restées stables, que l'espérance de vie sans incapacité n'a pas progressé en France alors qu'elle a progressé dans d'autres pays. Et donc cette toile de fond sur laquelle vont s'appliquer effectivement ces vagues d'innovation nous donne un paysage assez contrasté pour l'avenir. Le deuxième élément qui a été évoqué par Isabelle, c'est ce jaillissement du progrès thérapeutique et de l'approche effectivement plus personnalisée des besoins du patient, qui va s'appliquer, ce jaillissement, aussi à des populations qui sont extrêmement diverses dans leur rapport au corps, dans leur rapport à la santé, etc. Et donc, l'usage d'un certain nombre de nouvelles technologies va être absolument essentiel, mais cet usage devrait être très très fortement accompagné par des services, par un nouveau rôle pour le secteur médico-social, puisque pour des personnes âgées dépendantes ou pour des populations qui sont en situation de relatif décrochage sur le plan social ou économique, il y a un enjeu absolument majeur de réintégration dans des logiques de parcours de responsabilisation, de parcours de soins, de parcours de santé. Et donc il va y avoir à la fois peut-être plus de technologies, mais aussi plus d'accompagnement. Donc on ne remplacera pas l'un par l'autre. Dernier élément, transition épidémiologique, nouveaux comportements, jaillissement effectivement de technologies et les enjeux qui sont associés en matière de passage de parcours de soins à des parcours de santé autour des personnes vont exercer une pression ou une exigence très forte en matière de nouvelles organisations et de réorganisation à la fois de l'accès, c'est ce que tu as évoqué Isabelle, de financement et d'organisation des compétences. Et là, on est à la juste émergence de la compréhension de ce que ça signifie, ces transformations du point de vue de la réorganisation, que ce soit médecine de ville, hôpital, délégation de compétences, parcours entre l'EHPAD et le domicile et aller-retour pour un certain nombre de personnes. Bref, on voit que ce champ, avec ces champs de pression sur la transition épidémiologique, les progrès scientifiques et techniques, et les transformations des parcours de soins vont avoir des exigences, vont se traduire par des exigences extrêmement fortes pour les 10 prochaines années. Alors la santé, pour beaucoup, c'est l'absence de maladie. Mais la santé, finalement, c'est bien plus que ça, puisqu'on considère que la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sociale, même la santé sexuelle, sont fondamentales aux équilibres de vie. Intégrer toutes ces dimensions dans l'approche en santé est importante, et pour exemple dans un parcours de soins d'un patient, se contenter de traiter sa maladie sans se préoccuper du patient dans sa globalité, de son bien-être, son activité physique,
son environnement peut lui nuire. Donc aujourd'hui, intégrer ces différentes dimensions dans le parcours santé, c'est la santé intégrative. Et donc ça va nécessiter qu'on intègre d'autres acteurs pour que la médecine ne capture pas la santé, qu'elle soit un maillon fort d'une santé qui se globalise et qui appartient à tout le monde.